J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai décidé de vous présenter 5 produits de chez Nocibé que j'ai, testé et que j'adore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et donc c'est parti, j'ai tous les objets par ici et c'est parti. Donc premier objet, je dirais les crèmes pour les mains. Donc là j'en ai deux, donc toutes les deux de chez Nocibé, mais de, on va dire, deux gammes différentes. Donc tout d'abord, il y a la Je suis joyeuse crème main framboise, rose framboise, excusez-moi. Donc de chez Nocibé. Et la deuxième, c'est la crème main douceur Bamba Papa, donc de la gamme Les Délices. Vous avez déjà présenté ou déjà parlé de la gamme Pomme d'amour. Donc voilà, là c'est la Bamba Papa. Et ce sont vraiment des crèmes pour les mains que j'adore, que j'utilise beaucoup en ce moment. Base de ces deux crèmes, mais crème main en général j'utilise beaucoup, bah, vu que je me désinfecte avec du gel hydroalcoolique la plupart du temps, mais je me lave plus souvent les mains avec du savon. Voilà, j'hydrate beaucoup parce que mes mains sont très vite asséchées sinon. Donc voilà, gros indispensable en ce moment. Ensuite, autre produit chouchou de chez Nocibé que j'aime beaucoup, ce sont leurs bougies. Donc là c'est la bougie Les Délices à la pomme d'amour, justement je vous parlais de la gamme. Donc voilà la bougie. Et honnêtement, déjà j'aime beaucoup la forme et l'odeur. Elles sont juste trop bon. Donc voilà pour la petite bougie. Ensuite, ce sont deux choses. Pareil que pour les crèmes pour les mains, ce sont des pinceaux. Alors, j'ai aussi des pinceaux pour les yeux. Je ne les ai pas pris, je vous ai juste pris deux pinceaux teint. Donc là, vous avez la gamme Artiste. Je crois que c'est la gamme Artiste de chez Nocibé. Donc voilà, lui je crois que j'avais acheté un seul pinceau éventail, et ça c'était la gamme Oriental, voilà, Oriental Palace, donc de chez Nocibé. Et honnêtement j'adore le motif comme ça. Donc voilà, ce sont deux pinceaux que j'aime beaucoup. Je trouve que leurs pinceaux sont de très bonne qualité, j'aime beaucoup. Voilà, aussi pareil pour les pinceaux aux yeux, ce sont de très bons pinceaux. Et voilà, ils se lavent très bien, ils perdent pas leurs poils, et ça c'est cool. Donc voilà pour le troisième produit. Ensuite, l'avant-dernier produit, c'est un produit make-up, et ce sont les rouges à lèvres. Donc là pareil, je vous en présente deux de deux gammes différentes. Donc là c'est la Mattissimsim. Voilà, je vous montre. Donc toujours de chez Nocibé. Ce rouge à lèvres, je l'ai en teinte 6. Voilà, donc il se présente, montre l'embout comme ça, un peu creusé pour faire bien la forme des lèvres. Et le deuxième que j'ai et qui est plus récent au niveau acquisition, c'est le l'encre à lèvres longue tenue Forever Nocibé Tattoo. Enfin, voilà comment il se présente. Donc vous avez la lèvre là et la teinte juste là. Donc je l'ai en teinte 7, et je vais essayer de vous montrer le nom de la teinte si ça veut faire la mise au point. Ça veut pas. Bon, c'est la teinte 7 with Toon Limit. Mon anglais est nul, on n'en tient pas rigueur. Donc voilà, j'aime beaucoup leur rouge à lèvres, je trouve qu'ils ont une très bonne tenue. Et le dernier produit de cette vidéo sont mes 5 produits préférés de chez Nocibé. C'est un soin. Un soin corps que je vous ai déjà présenté, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et c'est la gelée exfoliante et la peau se fait de velours. Donc il se présente comme ceci. Et honnêtement, j'aime beaucoup cet exfoliant, gommage exfoliant, pour moi ça fait pareil. De chez Nocibé, sans paraben, l'odeur est juste, il sent juste divinement bon. Et honnêtement, niveau grain, alors j'arrive sur la fin, donc c'est compliqué de vous montrer les grains. Si bon, c'est des grains plutôt moyens, ça veut pas, parce que faut que je le mette comme ça et pour que ça sorte, mais voilà, ce sont des petits grains. Ça gomme, honnêtement il fait son boulot et j'adore. Voilà, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore et je l'adore, je vous le remontre. Tellement que je l'adore, je vous le remontre. Donc voilà pour
ça, voilà tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en barre d'infos. Sur ce, je vous fais très gros bisous et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.